Pour commencer cette journée, il nous paraissait important de rester dans la logique des assises et des huit ateliers qui ont été organisés, en commençant en donnant la parole à des habitants et des professionnels qui ont participé aux ateliers et que donc j'invite à monter sur scène. Merci. On peut les applaudir, hein, c'est ouais. pas facile. Ce ne sont pas des acteurs professionnels. Merci beaucoup. Vous êtes des habitants des, des quartiers, des professionnels qui intervenaient dans, dans les quartiers et vous avez euh, participé euh, les uns et les autres à différents ateliers. Vous viendrez euh, apporter un témoignage un peu plus complet euh, tout à l'heure. Mais pour démarrer cette journée, ça nous semblait euh, important de pouvoir euh, vous entendre sur euh, tout d'abord euh, une attente majeure, des attentes principales que vous avez euh, pour cette journée. Merci. Bonjour à toutes et tous. Euh, donc pour répondre à cette question autour des, des attentes, moi, déjà, la première attente, ça serait de pouvoir remplir euh, ce rôle de porte-parole des habitants, des structures qui ont participé à l'atelier Sport Santé, donc à Rieux-la-Pape, euh, donc pouvoir représenter au mieux un collectif euh, qui a fait émerger de nombreuses propositions très intéressantes euh, et innovantes pour la plupart, donc notamment autour du développement du sport euh, dans les quartiers populaires. Euh, une autre attente, ça serait de pouvoir aussi apprendre des échanges et des débats qu'il y aura aujourd'hui sur, euh, sur la thématique, pour pouvoir, pourquoi pas s'en inspirer dans de, de futurs projets euh, avec l'association la, pour laquelle je travaille euh, une autre attente importante qui est remontée euh, ça serait aussi que ce soit qu'un début de processus et qu'il puisse y avoir d'autres échanges une continuité à, à ces assises et le plus important euh, ça serait aussi du coup que ces attentes soient écoutées et non seulement écoutées mais également prises en compte dans un avenir plus ou moins proche pour que pour que ça ne génère pas de frustration, pour que les habitants voient que concrètement, euh, ils ont été entendus et, et écoutés. Merci. Merci. Merci, Samuel. Gabriel, si vous avez euh, une attente ou des attentes aussi particulières pour cette journée euh, Oui, euh, un peu dans la continuité de Samuel, euh, j'espère et que les. Les résultats des, a des assises et des ateliers et où les habitants et habitantes et les professionnels ont pu s'exprimer vont être entendus. Euh, et plus précisément sur un sujet qui, qui me tient à cœur, sur la question de l'alimentation. Pour l'instant, elle n'est pas inscrite dans le contrat de ville actuel. Et ce serait une vraie, euh, un, un, un vrai sujet de pouvoir l'inscrire dans les. dans le futur contrat de ville, en l'occurrence euh, promouvoir une alimentation de qualité euh, choisie et pour toutes et tous, donc un droit à l'alimentation. En fait. Merci beaucoup. Je crois que Raphaël, vous avez aussi un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Ben bah ouais, un petit peu. Euh, bah, ça va être surtout le désert médical qui va falloir qu'on qu'on regarde dans les quartiers populaires, puisque euh, entre les médecins qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés, puis euh, le manque de de médecins, à un moment donné, il va falloir qu'on se pose des bonnes questions. Voilà, tout simplement. Merci. Merci beaucoup. On va essayer de se les poser. Merci. Sabine, une attente particulière pour aujourd'hui Oui. Euh, bonjour. Une attente euh, plus sur l'accès aux droits. Je voudrais qu'on qu peut-être qu'on se dise que qu'on ne considère pas euh, les personnes que sous le prisme de l'accès aux droits sociaux mais aussi sur l'accès au droit au singulier avec un D, un grand, un grand D comme droit, parce qu'être un citoyen, ce n'est pas juste accéder à ses droits sociaux, c'est aussi plus généralement accéder à ses droits de citoyen. Donc l'accès aux droits au pluriel, socio, social, sociaux. C'est une partie de l'accès au droit en général et qui fait qu'on se considère comme un vrai citoyen, qu'on s'implique dans la cité et qu'on euh, qu 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 participe et qu'on lutte aussi contre le sentiment d'injustice et les inégalités. Donc je pense que c'est important, peut-être à l'issue de cette journée, qu'on ait cette, bien cette idée-là, que euh, ça ne se réduit pas à l'accès aux prestations sociales. Merci, merci, merci beaucoup. Yasmina, je crois que vous avez un sujet qui vous tient particulièrement à cœur aussi. Oui, bonsoir à tous. Mon sujet qui me tient à partir, bien, moi, particulièrement à cœur. Bien, bien moi, le micro, allez-y. C'est les personnes en situation de handicap. Effectivement, les établissements médicaux ou sociaux ont tous une habilitation leur permettant d'accueillir des jeunes en situation de handicap dans une fourchette d'âge donnée 3, 12 ans, 11, 20 ans. Cela génère des changements d'établissement pour les enfants avec le risque pour les familles de ne pas trouver d'établissement par la suite. L'amendement Creton à la loi du 13 janvier 1989 est une mesure dérogatoire qui permet de maintenir les enfants en situation de handicap de plus de 20 ans en établissements médico-éducatifs s'ils ne peuvent pas être immédiatement admis dans les établissements pour adultes en situation de handicap désignés par la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées. Ce qui est une bonne chose pour ces derniers. Cependant, cela ne règle pas le souci de manque de structure pour adultes et engendre un blocage dans la libération des places pour les adolescents. En effet, un réel constat est bien existant aujourd'hui. C'est le grand nombre d'enfants en situation de handicap en attente de place en structure adaptée ou en dispositif Ulysse. L'amendement creton n'est pas la seule cause à cet état des lieux. Malgré la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, il existe de grandes difficultés dans l'inclusion des enfants en situation de handicap à l'école pour différentes raisons. Tout ceci engendre souvent une rupture de parcours des enfants en situation de handicap à des moments clés de leur vie, avec une déscolarisation pour certains, une attente de longue durée pour une attribution d'une place en structure adaptée, création d'une situation complexe. Pour les aidants et les enfants, ce sont des situations épuisantes et intolérables. Quelles sont les réponses concrètes que vous pouvez apporter à ces aidants et ces enfants et jeunes adultes dans une temporalité qui correspond à celle des aidants Merci beaucoup Yasmina. Il y a beaucoup de travail et il y a déjà des interpellations. Euh, Sarah, je crois que vous avez aussi un sujet qui vous tient à cœur. J'en parlerai tout à l'heure sur les questions de culture et éducation. Mais euh, oui, pour les quartiers de demain, ce euh, serait de pouvoir tendre vers peut-être un peu plus de mixité euh, et que les gens soient moins les uns à côté des autres, mais qu'il y ait des vrais espaces de, de mixité. Merci, Merci beaucoup. Et en effet, on pourrait y revenir après, puisque certains, certaines d'entre vous vont intervenir avec les, sur les tables rondes. Et peut-être une dernière, une dernière, un dernier sujet qui vous tient à cœur, Loïc. Oui. Bonjour à tous. Moi, ouais, c'était parler de questions de justice sociale et écologique. Euh, finalement, que la nécessaire transition écologique de notre société se fasse avec et au bénéfice des habitants des quartiers populaires. Merci beaucoup. C'est aussi très clair. Euh, je pense qu'on peut vraiment tous les applaudir pour ce petit mot d'introduction collectif. Merci beaucoup à vous. Euh, on va vous inviter à rejoindre le public et on en retrouve certains et certaines d'entre vous. Et sans plus tarder, on va donner tout de suite la parole à Bruno Bernard, le président de la métropole, pour continuer cette introduction. Bienvenue. Bonjour à toutes et tous. Et d'abord, très heureux que nous soyons aussi nombreux. Euh, Aujourd'hui, ça montre l'engagement de toutes et tous pour ce sujet essentiel. Saluer euh, tous les vice-présidents de la métropole de Lyon, Renaud Père et tous les autres présents aujourd'hui, tous les maires, et j'en ai vu plusieurs, le maire de Grigny, de saint fond de Vénissieux, les maires d'arrondissement du 3e, du 8e, du 9e, tous ceux que j'ai oublié de citer que je n'ai pas vus, euh, et qui sont là. Et saluer aussi euh, la présence de Mohamed Becmach, président du collectif passons nous, qui a été missionné par le ministre Olivier Klein. Pour euh, s'assurer euh, que ces nouveaux projets se fassent avec les habitants. Et puis saluer naturellement tous les acteurs du territoire, les associations, euh, les services de l'État, euh, l'ANA, j'ai vu Monsieur le Recteur, la DDT, les délégués du préfet, tous ceux euh, qui travaillent sur ces sujets, euh, nombreux les bailleurs sociaux et puis évidemment tous les habitants, euh, qu'ils soient constitués en association ou qu'ils soient là à titre Personnelles et les premières prises de parole, naturellement, nous éclairent et doivent être prises en compte. 40 ans de politique de la ville, c'est déjà énorme en termes de temps. C'est 14 conventions avec l'ENRU, ici, sur la métropole de Lyon, et je remercie les équipes de l'ANRU avec qui nous travaillons très bien. C'est 2,4 milliards d'euros sur le territoire entre 2016 et 2030 avec une mobilisation de toutes et de tous, notamment des maires. Et malgré tout, malgré euh, ces budgets, malgré tout ce travail fait euh, sur le bâti, on voit bien qu'on est loin du compte, qu'on est loin d'avoir réussi euh, cette politique euh, de la ville. Peut-être qu'elle a été trop axée sur l'urbain et pas assez sur l'humain, mais peut-être avons-nous trop dégradé les services publics de ces quartiers. Mais on voit bien que malgré toutes les avancées, elles sont très nombreuses, il reste des problèmes. Pour en citer un, même quand on arrive à faire de la mixité de l'habitat, et on le fait plutôt bien, on n'arrive pas encore à faire de la mixité dans les établissements scolaires, notamment les collèges, et on voit qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et puis, dans ces quartiers, tant qu'on n'aura pas avancé sur les problèmes de sécurité, nous serons limités forcément à. Euh euh, est contraint. Et pourtant, là aussi, il y a euh, une volonté, une présence très forte euh, des services de l'État, de la police nationale, de la justice. Les maires, tous les maires, quel que soit leur bord politique, renforcent les moyens de police, de police municipale. Et malgré tout, on voit bien que, notamment, les trafics de drogue perdurent et que l'équilibre économique de ces trafics euh, rend la situation très difficile et que là aussi, il faut faire preuve d'inventivité, d'expérimentation et poser d'autres modèles. Par exemple, réfléchir à expérimenter, à légaliser le cannabis pour affaiblir économiquement les points de deal et concentrer les moyens de l'État, de police, de justice sur moins de problèmes de drogue. C'est aussi naturellement maintenir la prévention spécialisée plus de 100 éducateurs présents sur la métropole de Lyon, et aussi réfléchir comment améliorer cet axe-là euh, qui, euh, probablement, a besoin euh, d'évoluer. Si nous avons beaucoup démoli ces dernières années, euh, nous avons aussi besoin de réfléchir autrement, de maintenir plus souvent les bâtiments en place pour des questions de décarbonation euh, et de coûts, mais aussi euh, parce que les habitants demandent le plus souvent qu'on conserve euh, ces habitations. Ils sont attachés à leur quartier, à la richesse sociale des échanges, parce que c'est aussi un des points forts euh, de ces quartiers populaires, euh, le lien social souvent plus fort, notamment grâce au travail des nombreuses associations euh, qui est fait. Je tiens d'ailleurs à saluer euh, tous ceux qui le font, notamment les associations euh, qui travaillent pour les femmes de ces quartiers, avec une forte application. Et puis, on peut aussi citer ce qui a été fait sur l'alimentation, puisque la métropole était un peu pionnière avec BRAC. Je crois avoir vu, j'ai vu Boris tout à l'heure et je le salue, avec Est Métropole Habitat, avec l'abbé Pierre. Et notamment, la multiplication des candidatures sur quartier fertile fait, mais j'ai entendu aussi, je crois que c'était Gabriel qui l'a dit, que l'alimentation est un point naturellement essentiel de ces enjeux. Et puis, il y a naturellement l'accessibilité, les mobilités. Comment peut-on imaginer euh, arriver à rattacher ces quartiers totalement à la ville, à l'agglomération, si les moyens de transport ne sont pas à la hauteur On a vu à quel point l'arrivée du tramway, par exemple, au Maguette, avait été un plus. Euh, nous sommes très heureux en 2026 d'avoir les tramways qui arrivent dans plusieurs quartiers populaires. Je pense à saint fonds à Carnot-Parmentier, au, euh, au Matutoro, à Bois-en-Velin, au urban de Saint-Jean et au Travail. Pour améliorer aussi sur l'Ouest, par exemple au quartier des Sources à Iculli ou à La Duchère, ces transports en commun, c'est un élément naturellement euh, indispensable. Dans nos quartiers, nous avons aussi, il faut se le dire, un taux de pauvreté beaucoup plus fort, trois fois plus important, et donc toute notre politique de solidarité, euh, d'insertion, le revenu de solidarité jeune, par exemple, sont là aussi pour aider euh, l'ensemble de nos habitants. L'expérience Territoire zéro chômeur. A des résultats à Villeurbanne-Saint-Jean, déjà. Et il y a trois autres territoires. Euh, et je sais qu'aujourd'hui, à Safon, les premiers contrats en euh, enseignés des habitants ont été signés aujourd'hui même. Je ne peux euh, que m'en réjouir avec euh, M. le maire Christian Duchesne. J'ai parlé un peu des services publics. Il faut aussi qu'on travaille sur la fracture numérique. Et ça a été dit euh, dans le film. Mais tous les services aujourd'hui qui sont à faire à distance, en numérique, qui coupent une partie de la population de leurs droits, de leur capacité d'agir et à travailler. Et nous avons déjà 60 conseillers numériques sur le territoire. Et puis, il faut aussi que dans ces quartiers, on entreprenne, on ait une activité économique forte. Et c'est 100 entrepreneurs des quartiers populaires qui, chaque année, sont accompagnés par la métropole de Lyon. Je ne sais pas ce qu'on peut faire beaucoup mieux. On travaille aussi avec les entreprises dans le cadre de la Charte des Milles pour faciliter les contacts lutter aussi contre une discrimination à l'emploi. Qui existe malheureusement toujours euh, sur notre territoire. Et puis, on a aussi les pôles d'entrepreneuriat de, euh, live, qu'il y a par exemple à la Duchère, et on va travailler pour en mettre un autre à Vénissieux, un autre à Vaud-en-Velin. Ça a été aussi dit qu'on avait besoin d'équipements sportifs. Donc, il y a par exemple les dispositifs Spot ce sont des terrains de sport, une dizaine. Qui vont être installés dans les quartiers, à l'image de ce qui a été fait à Pierre-Bénil, dans le quartier euh, des Hauts-Roches. C'est les dispositifs vacances sportives que euh, nous avons renforcés. Et puis, c'est aussi la diffusion culturelle de tous les grands événements culturels, des biennales, euh, de la danse, par exemple, des nuits de fourbière dans les quartiers, sur l'ensemble de la métropole. Nous avons besoin aussi que la culture euh, soit euh, partout. Sans vouloir être plus long, parce que les débats seront très riches, vous dire que la métropole de Lyon est fortement impliquée, non seulement dans ses quartiers prioritaires, mais aussi dans les QVA, où nous maintenons des financements, et je crois que nous sommes parmi les seuls territoires à le faire, que c'est 20% d'action publique en plus en trois ans en termes de budget. Et je le dis, le budget ne fait malheureusement pas tout. C'est bien l'intelligence collective et le travail ensemble qui va nous permettre de trouver des solutions avec l'ensemble des acteurs, de l'État, des collectivités, avec humilité, à l'écoute des habitants, mais avec détermination, parce que nous avons aujourd'hui besoin d'actions concrètes. Nous avons besoin que ces contrats, que ces journées des assises débouchent concrètement sur une amélioration de qualité de vie des habitants des quartiers populaires. Merci. Alors euh, en cette journée de mobilisation, Monsieur le ministre Olivier Klein, ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires chargé de la ville et du logement n'a pas pu se déplacer. En revanche, il nous a enregistré un petit message introductif en vidéo qu'on va regarder tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président, cher Bruno, Monsieur le maire de Villeurbanne, cher Cédric, Monsieur le vice président, délégué à l'habitat, au logement et à la politique de la ville, cher Renaud, chers élus, chers habitants de la métropole du Grand Lyon. Il n'y a pas de politique de la ville sans une prise en compte forte et sincère de la parole des habitants des quartiers. Je le pensais comme maire d'une ville populaire et je l'applique comme ministre de la République. Cette parole est au cœur de tous mes engagements. C'est le socle citoyen sur lequel je veux imaginer avec vous les nouveaux contrats de ville. Cette parole doit être collectée dans le respect de la diversité des habitants et je remercie les organisateurs de ces assises des quartiers populaires du Grand Lyon pour la qualité de leur démarche de recueil. Une démarche appuyée sur des thématiques sensibles et importantes pour les habitants. Habiter, accéder à ses droits, agir face aux défis climatiques, tels sont les enjeux sur lesquels nous devons laisser s'exprimer celles et ceux qui connaissent le mieux les quartiers car ils y vivent. Ils amènent leurs enfants à l'école, y dorment et parfois y travaillent. Tout comme vous, je me fie à leur expérience, à leur connaissance. Le président de la République Emmanuel Macron s'y était engagé, lancé un grand programme pour nos quartiers. À travers Quartier 2030, nos engagements seront renforcés. En matière d'éducation d'abord, d'entrepreneuriat, de santé aussi, de logement évidemment et de sécurité parce que chacun des habitants des quartiers populaires aspire à vivre dans une ville apaisée et dans un cadre de vie qu'il choisit. Alors, pour les 100 prochains jours, dans le cadre du renouvellement des contrats de ville, je souhaite que les habitants puissent exprimer ce qu'ils veulent pour leur quartier. Je veux que nous mettions l'imagination au pouvoir. Pour garantir que la parole des habitants puisse s'exprimer dans chacun des futurs contrats de ville, au moment de son écriture, puis tout au long de la vie de ces contrats, j'ai souhaité mettre en place une commission, la participation citoyenne des quartiers présidée par Mohamed Meshmach, qui est présent parmi vous aujourd'hui. Cette commission est composée d'habitants, d'acteurs associatifs, d'experts, de professionnels et d'élus. Sa mission consistera à encourager, à soutenir, à valoriser et à outiller les initiatives locales dans leur diversité, tout en les inscrivant dans un cadre éthique général. Éveillera à mettre la parole citoyenne au cœur des projets de quartier et s'assurera de la concrétisation de cette parole dans la réalité de ces quartiers. La mission suivra la parole des habitants tout au long du chemin qui part d'initiatives telles que la vôtre, aujourd'hui, jusqu'à son expression dans le quartier. Elle décrira les détours, les chemins de traverse, les impasses, les routes suivies par cette expression citoyenne, afin de nous aider à faire de cette démarche participative un élément de la vie quotidienne de nos quartiers. Une plateforme numérique viendra bien sûr prochainement élargir le champ des contributions en recueillant les expressions individuelles. Elle conservera également les contributions citoyennes locales afin d'en faire un outil de mémoire et d'inspiration au moment de l'écriture des contrats de ville. Je mesure le défi que représente cette volonté de revitaliser la participation citoyenne, mais je connais toute l'énergie créative des quartiers populaires et l'envie de leurs habitants de prendre leur destin en main pour se donner les moyens collectivement d'avoir envie de rester dans son quartier et de donner envie à d'autres d'y venir. Vous démontrez, avec ces assises, que le désir d'engagement est encore puissant dans nos quartiers et qu'ils peuvent devenir des lieux d'inspiration pour les autres territoires. Je remercie les organisateurs de ces assises des quartiers populaires du Grand-Lyon et les habitants qui ont participé et continueront, je vous y encourage, à participer à cette belle aventure. Vous avez su construire un socle citoyen robuste sur lequel pourront s'ériger les projets pour vos quartiers. Vive quartier 2030 et maintenant au travail. J'invite maintenant euh, monsieur Mohamed Meshmash. Vous êtes euh, donc le président du collectif Passons-nous et puis euh, vous êtes missionné comme euh, monsieur le ministre vient de le dire pour euh, la commission pour présider la commission participation citoyenne dans les quartiers. Une commission qui a donc pour objectif de garantir l'expression. Avez... Ouais, je vous donne un micro. Tenez donc. Merci. Vous allez être notre grand témoin de la journée. Nous vous en remercions. Euh, merci d'être ici aussi malgré les, les contraintes de train qui vous obligeront à partir plus tôt que prévu, mais vous interviendrez à différents moments de la journée pour nous apporter aussi votre ressenti, votre regard sur. Euh, les échanges et les interpellations. Je vous remercie. Merci. Euh, bonjour à toutes et à tous. Merci euh, à la grande, euh, grand, grande métropole de Lyon. Merci, Monsieur le Président, les élus, enfin, tous ceux qui participent. Euh, honnêtement, après euh, tout le côté protocolaire, euh, je n'ai pas l'habitude. Je préfère euh, directement euh, m'adresser à la salle. Et puis, en tout cas, merci à l'ensemble des professionnels, des habitants, des habitantes qui ont participé euh, à ces ateliers. Qui ont duré un, un certain temps et, et la restitution qu'il y a aujourd'hui. Voilà, donc moi je suis Mohamed Meshmach, je suis un militant associatif. Je suis euh, d'un quartier qui a beaucoup fait parler de lui en 2005, celui de Clichy-sous-Bois, après la mort de, de Ziad et et en Ram, ce qui a généré euh, des révoltes sociales dans une bonne partie de la France et qui a mis en lumière euh, la question des, des quartiers et des injustices euh, dans ces quartiers et les inégalités. Ce qui m'a. Aujourd'hui, euh, euh, fait en sorte que je puisse venir vous rencontrer et discuter. Et la mission qu'on m'a confiée, ainsi qu'à différents euh, membres de cette commission, c'est de travailler euh, effectivement à la participation. En fait, moi j'irai plus loin, c'est à la co-construction. Si on peut aller même plus loin, à la codécision. Euh, on l'avait déjà fait à l'époque avec Marie-Hélène Baquet sur un rapport qui s'appelait Pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ça se fera plus sans nous. Euh, on est sorti. Euh, une mesure qui a été les conseils citoyens. Je le dis, ce n'était pas une des, pro des, des, des propositions qu'on avait faites. Mais ce n'est pas grave. Cet outil existe. Il va falloir effectivement euh, qu'on continue à, à, à travailler euh, sur ces, ces conseils citoyens remettre réellement euh, l'objectif de ces conseils citoyens et le, et le rôle qu'ils avaient, et travailler sur d'autres formes de, de, de participation. C'est-à-dire qu'il il en existe euh, d'autres, et c'est celle-là qu'il va falloir qu'on mette en place. L'objectif de cette rencontre, c'est de vous parler sur cette mission. La mission elle va durer à peu près 15 mois. Le ministre l'a dit, euh, on est sur des contrats de ville qui sont arrivés à terme. Et l'objectif, ce n'est pas d'avoir de, de, un contrat généralisé, c'est plutôt de partir avec la préoccupation des habitants et de construire son propre contrat de ville. Donc, on aura des contrats de ville qui seront à l'échelle de l'aglo ou des villes. Et donc, tout ça, ça va se construire, bien évidemment, avec l'État les élus, les habitants, les professionnels, c'est vraiment faire en sorte que l'ensemble des acteurs ou des actrices qui travaillent dans ces quartiers, qui habitent dans ces quartiers, puissent partir réellement des, des préoccupations des habitants et travailler sur les thématiques. J'ai entendu ce matin le, les, les échanges qu'il y a eu euh, et euh, l'envie que certains habitants euh, ont envie que dans des nouveaux contrats de ville puissent apparaître des thématiques. La méthode, c'est simple, c'est... Euh, euh, celle qui est aujourd'hui qui a été décidée par le Grand Lyon est une méthode euh, qui, a eu, euh, et qui a été mise en place euh, et je la salue euh, ça a permis effectivement de poser des thématiques et de venir discuter de ces thématiques celle que la commission aussi va proposer ça serait plutôt d'organiser des rencontres publiques et en partant des rencontres publiques c'est à dire euh, c'est pas de faire euh, la leçon ou la morale hein, c'est plutôt d'expliquer un peu la démarche et de donner la parole aux habitants et en partant de ce que diront les habitants, sortiront aussi des thématiques dont on pourra travailler par la suite et puis pouvoir élaborer soit sur des tables rondes, comme vous faites là actuellement, soit effectivement sur des petits temps. Voilà. Donc la commission, elle est composée de 22 personnes. Voilà. Donc il y a un collège d'élus, il y a un collège associatif, il y a un collège d'habitants, il y a un collège d'experts, il y a un collège institutionnel donc euh, des personnes qui euh, sont, y compris euh, des personnes de l'État, des délégués du préfet, il y a une pédec il y a un bailleur, il y a un ensemble euh, d'actrices et d'acteurs qui vont et qui ont un rôle à jouer sur ces questions de, de ces quartiers. On l'a dit, vous l'avez dit, monsieur le Président, ça fait 40 ans, la politique de la ville, ce que demandent les habitants, c'est d'arrêter d'être traités comme une exception. Ça fait 40 ans qu'on fait, on traite ces habitants comme une exception. Les habitants de ces quartiers demandent qu'une chose, c'est d'avoir droit au chapitre et d'avoir les mêmes droits communs que les autres. Pas plus, pas moins, que la vie des habitants de ces quartiers, elle valent autant que les autres et qu'ils ont besoin effectivement qu'on puisse mettre au cœur des politiques publiques leurs préoccupations et surtout que ces habitants soient acteurs et auteurs de leur vie, ne soient plus spectateurs et que leurs paroles soient réellement prises en compte. Ce qu'on est en train de vivre dans ces territoires, ce qu'on vit dans ces quartiers, on l'a évoqué, il y a la question de la sécurité qui devient un vrai problème. Vous l'avez évoqué, la question du deal, et moi je suis d'accord avec vous. Chiche, il faut aller, il faut expérimenter. Je pense qu'on va pouvoir aussi, euh, même si certains nous disent que c'est c'est pas vrai qu'on va créer d'autres formes de drogue dure. Je veux dire, il en existe déjà. Il n'y a pas besoin d'attendre de, de pouvoir euh, peut-être essayer de légaliser quelque chose euh, pour essayer de régler peut-être d'autres problèmes. Si on n'essaie pas, on ne saura pas. En tout cas, moi je suis aussi euh, fervente de ces ces questions-là, quoi. Voilà. Donc euh, pour revenir sur le, sur cette commission. Elle a un rôle pendant cinq mois, c'est ces concertations qu'on aura un peu partout en France, avec les services de l'État, les élus, tous ceux que j'ai cités pour pouvoir travailler sur ces questions-là. Ensuite, il y a la période où effectivement, on a la remontée de toutes ces contributions qu'on va élaborer. On va apporter des méthodes, on va apporter d'autres formes de participation, parce qu'il en existe beaucoup. Il y a énormément de dynamiques qui existent dans ces quartiers. On veut partir aussi avec justement ces dynamiques de quartier qui aujourd'hui favorisent justement cette participation. Il y a une expérimentation qui avait été menée au moment du rapport Marilyn Baquet, c'est les tables de quartier. Donc aujourd'hui, il y a énormément de tables de quartier qui se développent. C'est une forme de participation qui aujourd'hui est un dispositif assez libre et qui porte des sujets préoccupants dans les quartiers. Il y a euh, des euh, formes de participation où on voit pas mal d'habitants qui se réunissent euh, aujourd'hui à travers. Tout euh, bah, à l'heure, on a évoqué la question alimentaire. Donc, c'est aussi euh, une forme euh, de participation sur des sujets qui sont aujourd'hui sur la, la question de la pauvreté et la précarité. Donc, pourquoi pas, effectivement, ancrer euh, dans ces nouveaux contrats de ville la question euh, de, de l'alimentaire. Mais ça, encore une fois, c'est vous qui allez les construire. Nous, on est là pour veiller à ce que votre parole soit prise en compte et qu'il puisse, à un moment ou à un autre, apparaître dans ces nouveaux contrats de ville. Donc, l'objectif, honnêtement, ce n'est pas d'avoir un contrat de ville qui viendrait du haut vers le bas c'est plutôt d'avoir des contrats de ville qui correspondent à vos préoccupations, dont on va pouvoir inscrire sur les souvenirs vos contrats de ville et par territoire euh, ou par ville, euh, pour pouvoir tout simplement pouvoir euh, à ce que vos préoccupations soient prises en compte. Et on aura aussi des étapes de restitution puisque ça me paraît nécessaire, qu'il faut qu'on fasse de temps en temps ce que vous avez demandé tout à l'heure, que ça ne se fasse pas juste sur du court terme. On n'est pas des sprinteurs, Monsieur le Président, il faut qu'on soit des coureurs de fonds, et que si on veut maintenir l'espoir des habitants, il faut aussi leur donner effectivement la capacité à agir pour pouvoir leur donner les moyens. Et quand je parle de moyens, je le dis, la participation, ça ne se décrète pas non plus. Il va falloir aussi lui donner des moyens, y compris financiers. Donc on porte un projet qui était dans le rapport. C'est ce fameux fonds d'initiative citoyenne qui permettrait aux habitants d'avoir les moyens de pouvoir avoir de l'ingénierie, de pouvoir, euh, ne, quand on n'est pas d'accord avec un projet, d'avoir la possibilité d'avoir euh, peut-être un service juridique, euh, un service euh, urbaniste qui puisse venir les aider, les accompagner dans un projet qu'ils aimeraient travailler en commun avec, euh, avec vous, parce que c'est vous qui vivez les, les situations et ce n'est pas ceux qui sont juste de passage qui doivent décider euh, à notre place, à votre place. Donc, j'ai toujours l'habitude de dire tant qu'on fera pour nous, sans nous, c'est faire contre nous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vous êtes actrice et acteur de vos quartiers et c'est vos vies. Donc, il faut qu'on les prenne en considération. Quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Meshmash. Merci, monsieur Bernard, pour ces paroles introductives. Donc, euh, monsieur Meshmash, on, on vous demande, de, comme tout le monde, d'ouvrir grand les oreilles et on vous fera réintervenir en début d'après-midi pour nous dire comment vous pouvez réagir à ce que vous avez déjà entendu et ce qu'on aura mis en travail. Alors, on me dit que la Lily a, voulu, a des attentes, ou en tout cas, aimerait voir si on a des attentes. Aha. Donc, à vous de jouer. Exactement, merci beaucoup. Euh, donc, effectivement, vous voyez euh, William ici avec un paperboard. Donc, comme je l'expliquais, nous sommes comédiens, comédiens d'improvisation. Et euh, est-ce que certains d'entre vous savent ce que c'est que le théâtre d'improvisation oui, c'est très bien. Oui. En fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est que euh, même si on a des sortes de contraintes, par exemple de la restitution, eh bien, on ne sait pas ce qu'on va dire au moment où on le dit. C'est-à-dire, en gros, on fait comme, euh, comme vous tous les jours. En tout cas, comme tout le monde. Et on s'est dit qu'on allait commencer ce matin-là par essayer d'avoir un petit peu euh, vos envies, vos attentes en un mot. On va faire une improvisation qu'on appelle une improvisation paperboard parce qu'elle se fait à l'aide d'un paperboard. Et euh, William va venir passer oui. parmi vous. Euh, je vais vous demander dix mots comme ça. Là. Euh, donc, on a entendu des attentes, on a, euh, euh, mais en, sous forme de phrases. Là, j'ai envie d'avoir un mot comme ça de ce, qui, de ce que vous attendez pour la journée. Et comme ça, ça va mettre la pression. L'écoute. Alors, je vais les noter. L'écoute, très bien. Et moi, je suis un peu loin de toi, mais j'écoute je, je, des mots ici aussi, Ça hein, <laughs> J'ai l'impression d'être interville. Oui, c'est vrai. Ici Guy Lux, de lâcher les vachettes. Guy, est-ce qu'on a des mots en haut <laughs> Est-ce qu'on a des mots en haut Des attentes sur la journée Concrets. Concrets Oui. Allez-y, c'est les premiers qui sont difficiles, maintenant c'est fait. Ensemble. Ensemble. Vous avez le droit d'aller sur des choses où vous vous dites j'attends ça, mais euh, je ne sais pas si je l'aurai, mais je le veux. Rapport de force Voilà, voilà. Bon, bah, c'est très bien, ça va avec ce que je viens de dire. <laughs> Donc, j'attends ça, mais je ne sais pas si je l'aurai. <laughs> Moi, j'ai du respect. Qui va en dessous, très Oui, bien. qui va en dessous. Allez-y. Hein. Innovation. J'ai innovation. Innovation, et ici, j'ai eu moyen. Très bien. Donc, Implication. Je fais comme si j'écrivais gros pour que vous alliez voir, mais finalement, euh, je pense oui. que bon, vous verrez. Im Implication, pas. tu l'as eu Implication. Non, merci. Ah. Avec. Celui-là, il ne va pas être très compliqué à placer. <laughs> Bousculer. Bousculer. Oui, et alors, je regarde juste où j'en suis. Bousculer. Nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est à 10. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit, oh là là, j'avais un mot Oui, pas la dame dire. Mais à côté de moi m'a arraché ma chemise. Euh... <laughs> alors, on <laughs> est vraiment dans l'interview. Ah oui, oui, c'est incroyable. Elle veut le mot clarté. Clarté, et vous Handicap et clarté. Ah oui. Deux mots qui valent le coup. Ah, j'ai oublié le N. Vous le voyez, hein Handicap et clarté. Alors, je vais vous expliquer. Nous allons faire une improvisation théâtrale où nous allons placer chacun des mots que vous avez dit. Euh, Est-ce que, madame, vous voulez bien euh, venir barrer les mots au fur et à mesure qu'on va les dire Je vous remercie. Votre prénom, c'est Sabine, on applaudit bien fort, Sabine, s'il vous plaît. Merci, Sabine. Donc, euh, je les répète, nous avons écoute, concret, ensemble, rapport de force, respect, innovation, moyens, implication, avec et bousculer. Est-ce que vous pourriez à présent nous donner un lien relationnel Quelle relation on a l'un avec l'autre On est bailleur Un bailleur avec un habitant. Très bien. Qui est le bailleur C'est monsieur. Oh, on va dans les clichés. Bien, monsieur est bailleur. Je... Enchanté. Et je suis une habitante. Vous êtes une habitante. Très bien. Est-ce que vous pourriez à présent nous donner un sport extrême Le Le trail Le MMA. <laughs> Très bien, je prends trail et j'entends MMA. Donc on prend trail et on entend MMA. Très bien. Donc nous allons faire une improvisation théâtrale. On va. Euh, mettre un petit peu, donc on va pas mettre un petit peu, on va impliquer tous ces mots. Vous les barrez, bien entendu, quand vous les entendez. Si jamais vous êtes tellement euh, spectatrice, euh, si le public vous vous rendez compte qu'il y a un mot qui a été, euh, vous pouvez le signifier en disant oh, ça a été dit, mais gentiment. <laughs> hein <laughs> euh, et quand euh, l'improvisation va être terminée, ce sera vrai pour l'ensemble de la journée. Euh, nous allons faire ce geste-ci. Regardez, hop. Quand on sera dans cette position, vous pouvez applaudir très fort parce que ça veut dire que c'est terminé. Je vous Propose euh, de faire un essai. Non, oui. vous applaudirez pas, enfin, non pas parce que c'est terminé, hein, mais parce que c'était bien. <laughs> donc, je vous propose de faire un essai. Vous étiez donc là Oui, depuis le début. Voilà. On, va, on va reprendre. Oui. On va refaire juste, on se dit, euh, on est au Transborder. Oui. Et on est un groupe de musique géniaux. On reprend. Vous étiez là Mais depuis le début Ça fait du bien. Ça c'est bien. Très bien. Donc nous sommes bailleurs, habitants, en train de faire un trail. Avec option MMA. Avec okay. option MMA. On est d'accord qu'MMA, c'est le truc où on a droit à tout, hein. Euh, okay. À tout. À okay. tout. Très bien. Eh bien alors c'est parti. Écoutez. Attendez, je suis pas prêt. Ah, mais moi je vous propose un, un petit échauffement parce que oh. il y a une centaine de kilomètres à parcourir jusqu'à Quartier 2030. Oh. oh! Vous allez voir, ça va être formidable. Ça va vous changer de cadre de vie, hein. Oh, ben, euh... Vous vouliez du changement, vous vouliez de la mobilité. J'espère que j'ai été à votre écoute en organisant ce trail. Oh, ben, mais moi, j'ai pas eu les moyens de la participation. Ah. Ben, non, mais non, ça veut dire que j'ai pas de tenue, j'ai rien. Je suis en short et en tatane. Mais vous n'êtes pas passé à la recyclerie pour euh, des nouvelles chaussures ben, Non, ben, des chaussures de sport utilisées par d'autres. Euh... Ah, oui, ça vous. Bah, euh, oui, bon. Ben, ben, bon, bref. Bon, écoutez. Oh. Allez! Je vais me mettre à côté de vous et. Ça grimpe, hein Oui, ça grimpe un peu. Ça grimpe, ah, ben bah, voyez, vous m'en avez parlé longtemps, ben bah, là, ça devient concret. Oh, Ah, non, attendez. Quoi J'y vais pas, je ah. Je vais attendre parce que je crois qu'il y a M. Olivier Klein qui le fait avec nous. Ah bah oui, 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 mais normalement, lui, il court en visio. Ah ouais, c'est pour la planète Oui, c'est pour la planète, c'est plus écologique. Bon, ben bah, du coup, on. Alors, je sais pas, oh, est-ce ouais, ouais. qu'on l'attend ou pas, quand même, non Bah non, bah on va y aller. Non, bon, bon. Et, et on a qu'à le faire ensemble, vous et moi. On a, on a peu d'occasions de se rencontrer. Oui, et les occasions où on se rencontre, en général, c'est oh. pas très sympathique. Hein, je voudrais pas que. Mais quoi Qu'est-ce que je vous ai fait Dans l'ensemble ou là, là oh, Dans l'ensemble Non, on va courir. Hein. Ouais, courir. Bon, allez. Je monte. J'imagine. Je vais prendre le raccourci. Ah oui Ah oui vous... Ah ah oh, mais j'avais pas prévu. Mais prenez le chemin, vous. Bah oui, oui, bah. <laughs> je, je savais pas que vous saviez faire ça. Ah oh, bah je bouscule les traditions. Ah oh, bah c'est bien. Moi j'aime voir dans mes, bah, dans les habitants comme ça de nos quartiers, j'aime voir beaucoup d'implications, c'est super. Allez-y, eh, hein, ouais. montez, élevez-vous. J'aime bien que ça parte du bas vers le haut, voyez. Hé, eh, hé, eh, hé. Eh. Vous allez arrêter de me donner des ordres, hein Parce que maintenant, moi je suis plus seulement spectatrice de ma vie, hein je suis actrice de ma vie. c'est ah, oui, oui, si oui. le rapport de force que vous cherchez. Venez... Montez, je vous attends. Non mais non mais Je vous attends. Oh mais oh, oh, oh calmez-vous hein. Bah, montez. Euh, Tous les coups ne sont pas permis. Peut-être. C'est vrai. Il y a plein de choses qui vont pouvoir l'être. Genre okay. le cannabis, hein Ça un, un scoop. Le le, cana... le bah, cannabis. Montez 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 on en reparle. Non mais ça m'intéresse. Le cannabis c'est ah oula oui. Je suis désolé on me l'a imposé. Ah oui moi, je voulais juste courir, hein, je... pas taper, pas taper. Hein? Non, mais c'est vrai, on pourrait discuter avec respect, quoi. Alors, avec, je pense qu'on l'a dit plein de fois dans le. Oui. Hein? J'essaye de le placer, mais. On peut discuter Oui. Attendez, parce qu'il y a quand même des gens qui ont dit des choses et que je trouve intéressant Oui, c'est bon, j'ai. Hop ah. Vous voulez dire qu'on discute ben oui, qu'on discute. C'est-à-dire qu'entre vous et moi, on a une autre forme de participation que ce qui existe Ben oui. Qu'est-ce que vous en pensez Vous, vous, voulez, vous voulez innover J'aimerais beaucoup... Oh la vache ouais. Oh la vache bah, je, je me dis que... Oh, je suis démunie, que... attendez. Je suis démunie. Ça va aller je suis dé... bah, Moi, ah. j'ai un... Parce que moi... Attendez, parce que... Je ça, suis... c'est l'effort. Vous êtes en hypoglycémie. Non. non, parce que, sincèrement, je vous prenais pour quelqu'un qui, qui avait un petit peu un, un handicap social, vous voyez Ah non, non bah, C'est-à-dire un handicap dans les relations entre vous et moi et oh. tout le monde. Ah mais non, mais ça, c'est certainement parce que j'ai manqué de clarté sur, sur, sur mes intentions. Mais vous voulez dire que vous, les remettez, vous voulez remettre... L'imagination au pouvoir ah, J'aimerais bien, oui. Alors comment est-ce qu'on redescend Regardez, j'ai pris un parachute Eh ben, c'est formidable Je euh, euh, vous suis woohoo ah. Bien. Ah. On peut applaudir la barreuse on, des mots On peut très bien applaudir Merci beaucoup. Bien. J'allais vous dire, on se retrouve tout à l'heure pour quelque chose d'un peu plus sérieux ou pas. Mais quand c'est nous, ce sera pas forcément très sérieux. À tout à l'heure. Merci, merci. On applaudit merci. très fort la Lily que l'on reverra en effet tout au long de la journée. Ils reviendront nous embêter, nous bousculer un petit peu. Alors il est peut-être temps que euh, on vous présente le programme auquel vous avez eu accès, mais que l'on vous explique un petit peu plus de quoi il s'agit aujourd'hui, comment ça se passe. Donc Émilie euh, et moi qui serons vos guides et vos animateurs toute la journée. Euh, le, la, le programme de la journée, vous l'avez eu, vous, il ressemble à ça. Donc, euh, pour faire euh, assez rapidement, il va être fait de plusieurs séquences. Euh, chaque séquence étant euh, vraiment une, une manière de répondre, ou en tout cas de s'appuyer sur les éléments de ces ateliers, parce que, pour rappel, huit ateliers... Euh, plus de 1000 personnes dans, sur 21, de 21 communes différentes donc euh, énormément de matière euh, Calidoscope peut en témoigner puisqu'on a dû en faire les restitutions beaucoup de constats mais aussi des propositions et des interpellations très très fortes euh, c'est vraiment sur cette base là qu'est construite la journée Bien entendu, vous imaginez bien que toute cette matière-là, on ne va pas pouvoir la retrouver en entier dans toute la journée. Elle est vraiment foisonnante, mais on est ici à la fois pour écouter toute cette parole et surtout pour déjà alimenter le futur contrat de ville 2024-2030. C'est vraiment l'objet aussi de toutes ces démarches d'assises dont la journée d'aujourd'hui n'est qu'un point d'orgue parmi, parmi d'autres. Euh, donc, toute cette matière, elle va être réinvestie. Est celle qu'on euh, qu n'entendra pas aujourd'hui, euh, elle va servir euh, le futur contrat de ville. Rien n'est laissé de côté. Ça sera aussi le cas pour certains moments qu'on va essayer d'avoir d'échanges sur des questions qui vous paraîtront forcément trop des d'échanges avec la salle. Mais on tient aussi à vous dire je vous présenterai rapidement tout à l'heure le dispositif qui permettra de poser les questions. Mais vous dire aussi que toutes les questions ne seront pas forcément répondues ici, mais toutes les questions viendront elles aussi nourrir et alimenter le contrat de ville. Il y a déjà eu pas mal de contributions reçues. Sur Je participe, notamment une relativement étoffée des régies de quartiers de Lyon, et puis des contributions d'habitantes, ça continue. Donc, euh, on vous invite aussi à continuer à contribuer sur euh, sur le, le site Je participe. Tout ça, encore une fois, est soigneusement gardé, mis de côté, travaillé, et puis avec des réponses qui arriveront et qui viendront alimenter encore une fois ce contrat de ville. Donc voilà, on est dans une journée qui va être forcément euh, trop courte, forcément très riche. Euh, avec des séquences donc vous le voyez là on va démarrer euh, tout de suite euh, après sur une première séquence autour de l'émancipation pour tous à travers la promotion de l'éducation et des pratiques artistiques qui est le regroupement de deux, deux ateliers euh, on, on reviendra aussi sur les intervenants après on a une deuxième séquence qui est euh, le plein emploi l'accès aux droit pour toutes et tous à partir de 11h20 bien entendu une pause déjeuner on verra si on arrive à tenir nos timings mais on aura quand même le temps d'aller déjeuner et puis, on sera ensuite sur deux autres séquences pour cet après-midi. Une autour des habitants engagés des quartiers plus agréables à vivre, encore une fois, un regroupement de deux ateliers. Et enfin, la dernière sur la transition écologique, énergétique et sociale se sentir bien dans son quartier, qui nous conduira vers une table ronde finale euh, que l'on a intitulée Les... Quels quartiers populaires pour demain Donc, euh, vraiment dans une idée de projection euh, sur le futur contrat de ville, euh, et avec, euh, bien entendu, un mot de conclusion et un cocktail. On vous rappelle ce soir, je crois que vous étiez aussi au courant euh, que vous étiez invité à vous inscrire pour voir ce spectacle du collectif X, l'affaire Correra, qui se passera ici même euh, à 19h30. En parallèle de tout ça, euh, on a aussi des choses qui sont en périphérie, on va dire, mais qui sont tout aussi importantes. Euh, à partir de 11h20, 11h15, 11h20, donc quand on lancera la, la deuxième séquence, euh, dans la salle club là-bas, vous aurez aussi la possibilité d'aller euh, sur les différents stands qui correspondent à quatre des ateliers euh, qui ont été menés euh, dans, les, dans la démarche d'assises. Donc jusqu'à 13h, vous pourrez aller... Euh, de manière un peu plus euh, concrète, un peu plus fouillée en détail, prendre connaissance des comptes rendus notamment et discuter aussi autour de cadres de vie, participation citoyenne, transition écologique, justice sociale, santé et sport. Et euh, cet après-midi, on inversera. Donc cet après-midi, on ouvrira de nouveau là-bas des stands qui seront sur les quatre autres ateliers euh, éducation, culture, emploi, accès au droit. Donc euh, pour aller un petit peu plus loin dans la discussion et aller prendre connaissance des comptes rendus. En parallèle, nous avons quelques petits dispositifs participatifs. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais vous aurez l'occasion de, de, aussi d'aller le voir. Un mur des mots-valises de la politique de la ville, euh, où on s'est dit qu'il y a beaucoup de jargon. Là, j'ai déjà entendu au moins deux, trois acronymes ce matin. Euh, C'est comment on arrive à, à, aussi à jouer un peu avec ces mots-là et les rendre un peu moins techniques. Donc, il y aura la, la, des propositions à faire sur ce mur de, des mots-valises. Un petit espace aussi de partage des initiatives, euh, de bonnes initiatives pour le, le contrat de ville. Et on va avoir la Fruit Cyclette qui va être en extérieur. Donc, si j'ai bien compris, c'est une bicyclette qui fait du jus de fruits, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, il faut, en tout cas, le nom est prometteur. Euh, il faudra aller voir de quoi il s'agit. Ça sera plutôt sur l'espace extérieur. Et toute la journée aussi, la Labocité qui nous propose un stand d'information. La Labocité qui est, est spécialisée sur, sur de l'information dans les quartiers populaires, qui nous propose aussi un stand qui, que vous allez trouver aussi dans la salle club. Donc, tout ça, vous le trouvez toute la journée. Et enfin, euh, peut-être vous dire qu'à la fin de chaque séquence, donc on va en démarrer une première tout de suite avec Émilie, euh, on aimerait avoir quand même un petit temps d'échange, comme je vous le disais, forcément un peu frustrant parce que forcément pas suffisant. J'anticipe un petit peu là-dessus, étant donné que vous êtes quand même pas loin de 500. Euh, et la manière de pour nous d'arriver à, 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 à traiter des questions le plus possible et de faire en sorte que ces questions-là, elles fassent trace aussi. C'est ce petit dispositif qui s'appelle Wooklap. Euh, ce, ce QR code que vous voyez là, vous pouvez le flasher avec votre téléphone. A priori, on a fait les essais, la distance est suffisante. On vous le remettra à chaque fois. Et c'est un petit dispositif qui vous permet de... Tout est expliqué ici, je le remettrai encore une fois après. Mais un petit dispositif qui vous permet du coup d'écrire vos questions, pour nous de les réceptionner et puis du coup de les ramener certaines d'entre elles, parce que vous avez sûrement plein de questions, mais certaines d'entre elles reviendront vers la scène et elles nous permettront un petit temps d'échange en fin de séquence. Faites-le, ne soyez pas frustrés si vos questions ne sont pas tout de suite adressées sur ce moment-là. Encore une fois, elles viendront alimenter l'ensemble des contributions et elles trouveront réponse dans d'autres moments après cette grande journée des assises. Voilà, je crois que j'ai déjà trop parlé. On espère que c'est plus clair pour vous euh, la dynamique. Donc là, on va rentrer dans notre première séquence. Je vais tout de suite donner la parole à Émilie pour la suite.